السلام عليكم لا فيديو دوجوردي سور لو سيستيم مسكولير كيف ما وعدتكم الا مازال ما وجدتيش مزيان هذا لو شابيتغ تبي معايا هذا لا فيديو tu vas certainement enrichir tes connaissances لان غنركزوا على ليسونسييل اللي خاصك تعرف سور لو سيستيم مسكولير اون طونك اليف دو لا 3ييم اني دو كوليج et tu auras aussi l'occasion de tester d'appliquer tes connaissances à travers des exercices اللي اخترت لكم في هذا لا فيديو lorsqu'on parle de muscles de notre corps il existe trois types Les muscles lisses qui entrent dans la composition de certains organes comme la paroi de l'estomac, les intestins, les bronches, les vaisseaux sanguins. Il y a le muscle cardiaque. Et le troisième type, ce sont les muscles qui se fixent au squelette et permettent le mouvement de celui-ci. Ce sont les muscles squelettiques. Seulement les muscles squelettiques. Qui ont pour fonction d'assurer la motricité du corps dans son environnement en permettant de faire bouger les os auxquels sont rattachés par des tendons. Déjà, les muscles sont parmi les organes de la motricité, soit volontaire ou involontaire. Et c'est le muscle qui joue le rôle de l'effecteur moteur. Ça veut dire qu'elle effectue le mouvement en se contractant. Mniti uslo l'ordre sous forme d'influx nerveux, le système nerveux central. Yani, elle a les muscles squelettiques qui t'accompagnent le système nerveux. D'abord, observons le bras lors d'un mouvement. Qui fait qu'un chauffeur n'a deux muscles au niveau du bras. Le biceps, situé sur la face antérieure du bras. Et le triceps situé à l'arrière du bras. Ça fait نقلوا على سميتهم ou l'emplacement ديالهم au niveau du bras. Le biceps قلنا sur la face antérieure du bras, يعني الجهة الأمامية, et à l'arrière du bras, أي الجهة الخلفية, on trouve le triceps. On observe que si le biceps est relâché, le triceps est contracté et inversement. Donc, le biceps et le triceps sont deux muscles antagonistes. Lèche car il fonctionne en sens inverse. Si on rapproche l'avant-bras du bras, le biceps, situé sur la face antérieure du bras, se raccourcit et se durcit, donc il est contracté. Tandis que le triceps, situé sur la face postérieure du bras, reste allongé et mou, donc il est relâché ou décontracté. C'est le mouvement de flexion lorsque notre bras est plié. Mais si on éloigne l'avant-bras du bras, le triceps est contracté tandis que le biceps est relâché ou décontracté. C'est le mouvement d'extension lorsque notre bras est tendu. Donc, les narcoleolés, il y a deux simples mouvements qui sont la flexion et l'extension. Lorsque nous replions notre avant-bras sur notre bras, nous effectuons le mouvement de flexion. Lors de ce mouvement, le triceps se décontracte, ça veut dire se relâche, et le biceps se contracte. Et lorsque nous plaçons notre avant-bras dans le prolongement de notre bras, nous effectuons le mouvement d'extension. Lors de ce mouvement, le triceps se contracte pendant que le biceps se relâche. Lors du mouvement de flexion, quel muscle se contracte? Un muscle est contracté, qu'est-ce que ça veut dire? Il gonfle, raccourcit et devient dur. Le mouvement de flexion, c'est le biceps qui se contracte, donc le biceps est un muscle fléchisseur. Mais le triceps est un muscle extenseur, car sa contraction provoque le mouvement d'extension. D'abord, chauffons les propriétés ou les caractéristiques du muscle squelettique. Les muscles squelettiques se caractérisent par trois propriétés principales. L'excitabilité, la contractilité et l'élasticité. Kif mekan chauffouna, lorsque le muscle reçoit un stimulus ou une excitation, par exemple kif mehna électrique, le muscle réagit et répond à cette excitation. Si on fait la comparaison de ce muscle avant l'excitation et après l'excitation, si maintenant le muscle se raccourcit,
donc diminution de la longueur, et se durcit, donc il se contracte suite à cette excitation. Donc on peut tirer à partir de cette expérience deux propriétés du muscle, l'excitabilité et la contractilité. L'excitabilité, c'est la faculté musculaire de recevoir un stimulus ou excitation et d'y répondre. On dit que le muscle est excitable. Et la contractilité, c'est la capacité de se contracter suite à un stimulus en diminuant de longueur et augmentant de diamètre. On dit que le muscle est contractile. Yanni Mna de l'expérience, on a tiré deux propriétés, l'excitabilité et la contractilité, mais pas l'élasticité. Mais le montage suivant permet de mettre en évidence l'élasticité du muscle. On a un muscle de grenouille accroché à un support et un plateau est fixé sur l'autre extrémité. Si on place sur ce plateau une petite masse inférieure à 50 g, cela provoque un léger allongement du muscle. Et lorsqu'on retire cette masse, le muscle reprend exactement sa longueur initiale. Le muscle est donc élastique, puisqu'il a récupéré ses dimensions initiales après étirement. Donc la propriété que je peux tirer de cette expérience, c'est l'élasticité du muscle. Et l'élasticité, c'est la faculté de reprendre sa longueur initiale après l'annulation de la force appliquée lorsqu'on le relâche. Le muscle est donc élastique. Mais si on place sur le plateau une masse de 70 g par exemple, le muscle ne récupère pas ses dimensions initiales après étirement, même si la force exercée est annulée. Donc, l'élasticité du muscle est limitée. Les exercices, ils me connaissent la question, quelles sont les propriétés du muscle? Le job, il y a trois propriétés, excitabilité, contractilité et élasticité. On peut demander la définition de l'une de ces propriétés, ou on peut demander les propriétés, mais la définition d'elles, et vous relier par une flèche. Les définitions des termes, je ne sais pas par cœur, mais à partir de ce que je sais, on peut formuler une phrase correcte. Ou les qui disent que les mecs qui ont une douche, mouchkil fil SVT, amma les qui a sabra hamad tahfet fakat, si qu'on a une douche, il m'a fait un mouchkil. Mais il a qu'on fait un ma, qui m'a attendu les questions, qui doit honnish. Les muscles squelettiques sont rattachés aux os par les tendons. Sur cette coupe transversale du muscle squelettique, on observe un tissu conjonctif qui entoure des faisceaux de fibres. Au niveau de ce tissu, on trouve les vaisseaux sanguins et les nerfs. Chaque faisceau est formé de plusieurs fibres musculaires et chaque fibre contient plusieurs myofibrilles qui donnent aux fibres musculaires l'aspect strié en microscope optique. Il y a l'observation microscopique de ces fibres musculaires qui présentent une striation très nette et on remarque la présence de plusieurs noyaux. La fibre musculaire qui fait un chauffe le schéma possède une membrane plasmique, un cytoplasme et plusieurs noyaux qui sont plaqués contre la membrane plasmique. Donc la fibre musculaire est une cellule musculaire, les cellules, un membrane plasmique, cytoplasme, mais elle contient plusieurs noyaux, au minimum 2 jusqu'à 500 noyaux. Au kifmakan chofou, elle a la plus grande partie du volume intracellulaire est composée de plusieurs stries. Ce sont les myofibrilles. Chaque fibre est une cellule géante de plusieurs centimètres de long. Puisque le muscle squelettique strié est constitué d'une multitude de fibres musculaires ou cellules musculaires, هذا باش نعتبروها l'unité structurale du muscle لانها تدخل la structure ديالو. Et en plus, la contraction synchrone de ces fibres composant le muscle strié راهي اللي كتأمن la fonction principale du muscle اللي هي le mouvement. هذاكشي باش كنعتبروها l'unité fonctionnelle du système musculaire. Donc la fibre musculaire ou la cellule musculaire est l'unité structurale et fonctionnelle du muscle.
فهاد لو شيما عندنا اون سيلول نيرفوز و نورون اي 3 سيلول موسكولير و فيبر موسكولير. كيفما قلنا ان لا سيلول موسكولير هي لونيتي ستركتورال اي فونكسيونيل دو سيستيم موسكولير، راه لا سيلول نيرفوز و نورون هي لونيتي ستركتورال اي فونكسيونيل دو سيستيم نيرفو. لي كومبوزون دو سي سيلول خاصنا نكونو ضابطينهم، لان كيطلبو في لي زيكزيرسيس دو ليجوندي هاد لي شيما، خاص تكون عارفهم. عاد دابا شفنا دو كواي كومبوزي لا سيلول موسكولير. اما لا سيلول نيرفوز و نورون كيفما كنعرفو اي كونستيتيي دان كور سيلولير كونتينون لو نويو دونز ان سيتوبلازم انتوري دون ممبران بلازميك افيك دي برولونجمون لي دوندريت اي لاكسون كي سو تيرمين بار اون اربوريزاسيون تيرمينال. À travers ce neurone moteur, le message nerveux ou l'influx nerveux moteur est transmis jusqu'au muscle par l'intermédiaire du synapse neuromusculaire ou l'ikensmiuha plaque motrice. Au niveau de chaque synapse de la plaque motrice, ce neurone moteur libère de l'acétylcholine qui sera captée par des récepteurs spécifiques situés sur la membrane de la fibre musculaire, ce qui aboutit à leur contraction. إذن هاد لو كونتاكت اللي كنشوفو تيكون ما بين اون سيلول نيرفوز اي بلوزيور سيلول موسكولير، وهاد لو كونتاكت هو اللي كنسميوه لا بلاك موتريس. دونك لا بلاك موتريس اي اون جونكسيون نورو موسكولير كي بيرمي او سيستيم نيرفو موتور دو كوموندي لا كونتراكسيون دي موسكل ستريي دو سكيليت. إذن هنا كنبينو داكشي اللي قلناه، ان لو سيستيم نيرفو هو اللي تيتحكم في لو سيستيم موسكولير. Les besoins de l'activité musculaire. Pour se contracter, le muscle a besoin d'énergie. Mini qui jib had l'énergie. Cette énergie provient de l'oxydation des nutriments. Kim ma kachou had l'équation. Il y a مثلا le dioxygène plus glucose, il va libérer le dioxyde de carbone, de l'eau et de l'énergie. Une partie de cette énergie va être perdue sous forme de chaleur. Et l'autre partie, il y a le muscle pour fonctionner. Ou lorsque l'activité musculaire augmente, ça, ses besoins énergétiques augmentent. Pour ça, la consommation de dioxygène ou de nutriments augmente afin de produire plus d'énergie. يعني كل ما زاد النشاط العضلي كل ما زادت الحاجة ديالو لهاد الانرجي يعني الطاقة، وباش يخرج واحد الكمية كبيرة الطاقة خصو يستهلك بزاف دو ديوكسيجين اي دو غلوكوز. غنشوفو دابا ليجين دو سيستيم موسكولير. كنعرفو ان لي موسكل بوف سوبير دي تروماتيزم بحال لي ديشيرور موسكولير كي بروفوك لا ديستركسيون دون او بليزيور فيبر موسكولير، يمكن يكون حتى ديشيرور او نيفو دو توندون، او ايلونغاسيون موسكولير لورسكو لو موسكل سوبي ان ايتيرمون اكسيسيف اي نو بو با ريبروندر سا لونغور انيسيال اي سو مانيفيست بار اون دولور فيف لوكاليزي اي اون انكاباسيتي دو موفمون. لي كلاكاج سو مانيفيست بار اون فور دولور بارفوا ديز اوديم. Et les causes de ces traumatismes, imkin ikon la violence, l'intensité excessive et la brutalité au cours des exercices sportifs, ou lorsqu'on ne respecte pas les règles de l'échauffement sportif, la consommation du tabac, l'alcool, les drogues et les produits dopants, qui sont des stimulants pris par certains sportifs pour accroître artificiellement leur capacité physique et battre des records. Mais cette pratique a des graves conséquences sur la santé et peuvent être mortelles. Donc, pour préserver le système musculaire, il faut éviter tout ça. Éviter la violence, l'intensité excessive et la brutalité au cours des exercices sportifs. Il faut respecter les règles de l'échauffement sportif. Il faut exercer des exercices qui permettent d'entretenir les muscles mais aussi le cœur. Il faut éviter le tabac, l'alcool, les drogues et les produits dopants. Et prendre une nutrition équilibrée et qui couvre tous les besoins énergétiques. دابا باش تعرف اسكو تو بيان ميموريزي هادشي دابا اللي قلناه في لو رابيل، اون فا فير ان تيست ا ترافير دي زيكزيرسيس.
La première des choses, l'air d'aller هو فوق ما يكون عندنا قدامنا اكزرسيس وقفوا لا فيديو حاولوا تجاوبوا عاد شوفوا لا كوريكسيون عندو هاد ليكزرسيس فري او فو ميتي لا لتر في ou la lettre F dans la case convenable. La première proposition, Adna, le muscle est un organe conducteur de l'influx nerveux. Est-ce que c'est vrai? Le muscle reçoit l'influx nerveux et répond à cet influx en se contractant. Et donc, le muscle, c'est un effecteur moteur. Mais le conducteur de l'influx nerveux, c'est le nerf. Donc, cette proposition est fausse. B. Le muscle est une cellule qui renferme plusieurs noyaux. Le muscle est formé de plusieurs cellules musculaires. Le muscle n'est pas une cellule. Alors, la fibre musculaire est une cellule qui renferme plusieurs noyaux. Et dans cette proposition est fausse. C. Plusieurs fibres musculaires constituent le muscle. Oui, c'est vrai. D. Le muscle est un organe effecteur moteur. Oui, c'est vrai. La première proposition, le muscle n'est pas un conducteur, c'est un effecteur moteur. E. La plaque motrice est le contact de deux neurones. Non, c'est faux. La plaque motrice est le contact entre un neurone et plusieurs fibres musculaires. Mais le contact entre deux neurones s'appelle la synapse. Donc, c'est fausse. F. La fibre musculaire est une cellule musculaire. Oui, c'est vrai. G. L'excitabilité est l'une des propriétés du muscle. Oui, c'est vrai. H. Pendant la contraction du muscle, sa longueur augmente. Au contraire, pendant la contraction du muscle, sa longueur diminue. Donc, cette proposition est fausse. Complétez le texte ou les phrases suivantes. Le muscle joue un rôle dans les mouvements. C'est un effecteur moteur. Il est formé par des fibres musculaires qui sont des cellules musculaires qui contiennent plusieurs noyaux. Pendant la flexion du bras, on constate du biceps ou du triceps. Qu'est-ce qu'on a la flexion? Le biceps est contracté ou le triceps décontracté. Je peux écrire pendant la flexion du bras, on constate la contraction du biceps et la décontraction du triceps. Chaque nerf nerveuse est relié à plusieurs pour former la plaque motrice. Chaque cellule nerveuse est reliée à plusieurs cellules musculaires pour former la plaque motrice. Et je peux aussi écrire chaque fibre nerveuse est reliée à plusieurs fibres musculaires pour former la plaque motrice. Je vous donne de l'exercice. Le document A ci-dessous représente une coupe transversale d'un organe qui intervient dans des activités nerveuses. Et le document B représente une observation microscopique d'une coupe transversale de l'élément 4 du document A. Kenchoufou Edna, deux coupes transversales. Le document A, d'après l'énoncé de l'exercice, représente une coupe transversale d'un organe qui intervient dans des activités nerveuses. Et le document B, c'est une coupe transversale de l'élément 4 observé au microscope. Si nous avons les deux coupes, nous avons des faisceaux entourés d'un tissu conjonctif. Mais la coupe est l'élément 4 qui entre dans la composition de cet organe. La coupe transversale du muscle. Indiqué par la flèche numéro 4 et qui se trouve au niveau du tissu conjonctif du muscle, c'est le nerf. Donc, c'est une coupe transversale du nerf. Des faisceaux de fibres. Le faisceau est plein de fibres musculaires. Les muscles.
وهذا الفيسو هي بلان دو فيبر نيرفوز لان هذا نير وسوا فلو موسكل ولا لو نير سي فيسو سون انتوري دو تيسو كونجونكتيف Au niveau du tissu conjonctif du nerf, on trouve des vaisseaux sanguins. Mais au niveau du tissu conjonctif du muscle, il y a des vaisseaux sanguins et des nerfs. Je vous donne d'abord les questions. La première question, légender les deux schémas. Et donc, comme on a dit, le document A, la coupe transversale du muscle, la première flèche représente des fibres musculaires entourées de tissu conjonctif. Au niveau du tissu conjonctif, on trouve numéro 3, c'est vaisseau sanguin. Au numéro 4, qui fait maguna, c'est le nerf. Numéro 5 représente les faisceaux de fibres. Les guna, au niveau de chaque faisceau, il y a plusieurs fibres musculaires. Je vous d'abord document B, imprime, il y a faisceau de fibres. Mais donc les fibres raha nerveuses. Ça veut dire la flèche numéro 2' représente les fibres nerveuses. 3' tissu conjonctif. Je ne sais pas tissu conjonctif dit le nerf, et les vaisseaux sanguins numéro 4'. Pour le titre, document A, schéma d'une coupe transversale du muscle, et document B, schéma d'une coupe transversale du nerf. وخا تشوفوا هاد لي دو كوب دو ميم طاي تقريبا مي راه هاد لا كوب دو نير اي اوبسيرفي او ميكروسكوب شوفوا هنا هاد هي لا طاي ديال لو نير بارابور او موسكل شوفوا شحال صغير يعني الا لقيتي فشي اكزيرسيس اون كوب ترانسفيرسال وحده من هاد الجوج قرا مزيان لي نونسي ديال ليكزيرسيس وشوف شنو مكتوب حدا لو شيما راه يمكن يعطيوك ديريكتومون واش موسكل ولا نير ولا يعطيوك هي دي دوني وانت منهم غادي تعرف واش موسكل ولا نير Je vous deuxième question, citez les propriétés de ces deux organes. Il y a je vous les propriétés du muscle ou les propriétés du nerf. Le muscle qui mèche fait de la vidéo, qui est trois. L'élasticité, la contractilité et l'excitabilité. Mais le nerf, ça va être excitable, il y a l'excitabilité. Ou il y a un conducteur, il y a la conductibilité. Ça fait regarder bien les exercices. Je vous demande l'exercice. On isole un muscle avec son nerf sciatique et on réalise les expériences suivantes. Comme que je vous le tableau, on a deux expériences. Petit A, excitation du muscle. Petit B, excitation du muscle par le nerf. Les deux cas, on a le même résultat, contraction du muscle. Et donc, je vous fais les schémas, monsieur Aounouna. Quand je vous dis, mais qu'est-ce qu'une excitation directe du muscle? Je ne sais pas. La contraction du muscle. Au fait, le schéma, il y a une excitation du nerf qui est liée au muscle. C'est la même chose, contraction du muscle. Première question, donner le rôle du muscle dans le réflexe médulaire. Le même rôle du muscle, c'est un effecteur moteur. Deuxième question, décrire un muscle contracté. Un os faut d'abord le muscle qui est contracté. Quand je vous fais le schéma, il gonfle, il devient dur et court. Voilà la réponse. La troisième question, dégager les deux propriétés du muscle issues de ces expériences. Le muscle, une fois que je fais l'expérience, excitation du muscle a provoqué la contraction. Il y a deux propriétés, excitation, il y a l'excitabilité. Ou une fois quand la contraction du muscle, il y a la contractilité. Voilà les deux propriétés. La quatrième question, dégager les propriétés du nerf à partir de l'expérience B. Et dans l'expérience B, l'excitation dit le nerf, il a provoqué la contraction du muscle. Yani, le nerf est excitable, dit Hajaloula, ou Hajatsania, il a conduit dès que l'influx vers le muscle. C'est un conducteur. Yani, les deux propriétés du nerf, la conductibilité et l'excitabilité. Cinquième question, pour étudier l'une des propriétés du muscle, une série d'expériences a été réalisée. Qui m'a fait le document, le muscle, le plateau, compose des masses de 10 grammes, 20 grammes, 30 grammes, 70 grammes. Petit A, donner la propriété déduite de cette expérience. Qui m'a fait le numéro 1,
lorsqu'on pose la masse de 10 grammes, d'un chauffe-eau à la longueur 1 centime. Mais on a la masse de 20 grammes, Z-toile allongée, ou 2 centimes. Une fois à obtenir 10 grammes, on a la longueur initiale. Et on a obtenu quelle propriété ? L'élasticité. Petit b, décrire la variation de la longueur du muscle selon la masse utilisée. Et donc, comme on l'a dit, une fois qu'on a la masse, le muscle s'allonge. Quand on a la masse, يزيد يتالونجا من بعد لوغسكون روتير هذيك لا ماس تعاود يرجع ديك لا لونغور ديالو انيسيال هادو في لي 5 برومي كا دون لي برومي 5 كا لا لونغور دو موسكل اوغمونت ا شاك فوا كو لا ماس يوتيليزي اي غراند بوي لو موسكل ريبران سا لونغور انيسيال ابري افوار روتيري لا ماس Petit c, expliquer la réaction du muscle après avoir éliminé la masse, le cas numéro 7. Quelque chose, on a fait le cas numéro 7, lorsqu'on a posé une masse de 70 grammes, il a provoqué l'allongement du muscle. Mais après avoir retiré de la masse, le muscle n'a pas pu reprendre sa longueur initiale. Elle a de la masse qui a pris le muscle, il a abîmé le muscle. Il a provoqué la déchirure du muscle. Donc, je peux écrire, dans ce cas, le muscle n'a pas repris sa longueur initiale après avoir retiré la masse, car ses constitutions ont été abîmées. Et par suite, le muscle a perdu son élasticité. Petit d, déduire la caractéristique du muscle étudié. Et donc, la caractéristique de l'élasticité du muscle est limité. وهذه اللي يمكننا نكتبها في لا ديرنيير كيسيون. يعني هي كنشوفوا لو شيما ديال هاد ليكزيرسيس كتفكرنا داكشي اللي شفناه في لو كور. لو شيما مونتر لا فليكسيون دو برا شي لوم. هما ديجا عطاونا لو موفمون دو لا فليكسيون. راه يمكن يعطيونا غير لو شيما وحنا نستنتجوا لو موفمون دو فليكسيون. بروميير كيسيون ليجوندي لو شيما. La première flèche représente le tendon. Deuxième flèche, le biceps. Troisième flèche, le triceps. Deuxième question, décrire l'état de chaque muscle. Un chevau, le muscle, comment il est? Numéro 2, c'est un chevau, le muscle qui est gonflé, et qui est court et durci, yani, qui est contracté. Le biceps se contracte. Il gonfle, devient court et durci. Contrairement au triceps, il se décontracte ou là se relâche. Troisième question, quelle est la propriété du muscle mise en évidence par cette action? Et dans la propriété du muscle, il y a la contraction du muscle. Une fois le muscle contracté, il y a le mouvement. Lorsque le biceps est contracté, il y a le mouvement de flexion. Mais par contre, le triceps où il est contracté, il y a le mouvement d'extension. Et dans la propriété de il y a la contractilité. Quatrième question, quel est le mouvement contraire à flexion? Donc, comment je vous le schéma, le mouvement contraire à la flexion, c'est l'extension. Le biceps qui se contracte, ou le triceps se contracte. يلا اذا نديروا هذا التمرين الاخير وبارك عليكم هذا ليكزيرسيس راه كيشبه ليكزيرسيس اللي عاد بسالينا معاه لو دوكيومون سي دوسو ريبريزونت ان شيما دان مومبر بوستيريور دون غرونو ديبوي غرونو ديبوي يعني دون لا بو ا ايتي انلوف هيدنا لها لا بو من لا مومبر ديالها باش يبانوا لنا لي موسكل كيف ما كتشوفوها هما باينين واضحين لا بروميير كيسيون بريسيزي او ساتاش لي موسكل ا لا كويس نحن كنعرفوا لي موسكل ساتاش سور لي زو غراس ا تي توندون لان هنا يمكن نقول لي موسكل ساتاش سور لي زو بحال دابا لوس دو باسان وعندنا لوس دو لا جامب جهه اخرى غراس ا تي توندون
Deuxième question, décrivez la variation que subit le muscle P quand on fléchit la cuisse. Donc, je te peux les muscles, le muscle A au muscle B. Et nous le muscle P quand on fléchit la cuisse. Qui fait ni fléchi, qui me cache pas, ni mtouya. Tu vois, le document, je vais vous dire. Et dans le cas de chauffe, les deux membres postérieurs. Hadi qui est fléchi ou hadi tendu. Vous savez, dans le cas où il y a le muscle B, qui est ben la longueur du dialogue se raccourcit, se gonfle et devient dur. Ça veut dire se contracte. Ou hadi ou la description, le muscle B se contracte. Sa longueur se raccourcit, se gonfle et devient dure. Troisième question, déduisez la nature du mouvement quand le muscle A se contracte. Le muscle A décontracté. Lorsqu'il se contracte, il va être le membre mouvement flexion. Il est extension qui va être fait. Ça fait. Et donc, quand le muscle A se contracte, il y a mouvement d'extension de la jambe. Bien sûr, le muscle A, c'est un muscle extenseur de la jambe. Quatrième question, déduisez la nature du mouvement qui résulte de la contraction du muscle B. Donc, par exemple, le schéma, c'est déjà le muscle B contracté. Mais quand le muscle B est contracté, c'est un mouvement de flexion. Le muscle B, c'est un muscle fléchisseur de la jambe. Quand le muscle A est contracté, c'est quand le mouvement d'extension. Mais quand le muscle P est contracté, c'est quand le mouvement de flexion. Et dans la réponse pour la quatrième question, quand le muscle P se contracte, il y a un mouvement de flexion. Cinquième question, justifiez que les muscles A et P sont antagonistes. Et là, qui m'a fait mais quand le muscle A contracté, muscle B c'est où il est décontracté. Ou l'ex. A où il est décontracté, B c'est où il est contracté. Et donc, les deux muscles A et B sont antagonistes. Car lorsqu'un muscle est contracté, l'autre muscle est décontracté. Oh, maintenant que nous comptons bien le système musculaire, on a un peu de problème avec les exercices.